سألني أحد الإخوة أن أقوم ببث وفي هذا البث أن أتكلم باللغة العربية، ففي هذا البث أو في بعده سوف أتكلم باللغة العربية وسأحكي عليكم قصة حدثت معي لما كنت في دولة اليمن، فكونوا معنا. بسم الله والحمد لله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل يمكن لمن ليس بعربي أن ينطق ويتكلم باللغة العربية؟ Est-il possible pour une personne non arabe de parler arabe convenablement comme il se doit؟ يوما كنت في دولة اليمن، كما تعرفون إني عشت سنتين على بعضها في دولة اليمن، ومشيت إلى إحدى الفنادق، لأن كنت في سفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. Alors un jour j'étais au Yémen en train de partir sur la route pour aller aux Émirats Arabes Unis et je me suis arrêté donc dans un hôtel. فلما نزلت في هذا الفندق صاحب الفندق أخذ يتكلم معي ويسألني من أين أنت و يعني بعض الأمور هكذا يعني نتعرف على بعضنا. فأنا قلت له أنا من فرنسا، فقال لي لا أنا لا أصدقك، أنت مش فرنسي. أنا قلت فعلا أنا من فرنسا، ولدت في فرنسا ثم هاجرت إلى اليمن. Donc lorsque je descends dans cet hôtel, le propriétaire de l'hôtel il commence à parler avec moi et tout ça, il me pose des questions, on fait un peu connaissance. Puis il me demande d'où es-tu. Donc je dis moi je suis français, je viens de France, ça fait environ quelques mois que je vis au Yémen, etc. Et donc il ne me croit pas, il me dit non, toi, tu n'es pas français. فأخرجت جواز سفري عشان يرى أني فعلا أنا من فرنسا وولدت في فرنسا وعشت في فرنسا. فلما رأى جواز سفري تعجب فقال سبحان الله، يعني شكلك عربي، كلامك عربي، كله عندك عربي، فكيف أنت يعني شكلك عربي مو باين فيك أنك فرنسي. Donc j'ai sorti mon passeport pour qu'il voit concrètement que je ne suis pas yéménite, ou il me prenait un peu pour un soudanais. Donc j'ai sorti mon passeport pour qu'il voit concrètement que je viens de France, que je suis né en France. Et subhanallah, il a été étonné. Et il m'a dit, subhanallah, tu ressembles à un arabe, tu es vêtu comme un arabe et tu parles arabe. Parce qu'il faut savoir que dans le sud du Yémen, parce que là, lorsque j'ai rencontré cet homme, c'était dans la ville de Mukalla. Et dans la ville de Mukalla, au Yémen, il y a énormément d'arabes qui sont très foncés, encore plus foncés que moi. Bon, maintenant, je vais continuer en français, Inch'Allah. Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire? Tout simplement pour vous faire comprendre qu'il est possible pour un non-arabe de parler arabe et même que les gens pensent qu'il est arabe. Mais cela, ça va demander, on va dire, un peu de temps. Moi, ça m'a pris du temps pour pouvoir parler l'arabe. On va dire que lorsque les gens me voient, ils savent que je ne viens pas de leur pays, mais très régulièrement, ça arrive que les gens pensent que je suis un arabe d'un autre pays. Alors, quels sont les ingrédients qui m'ont aidé à pouvoir parler l'arabe et puis que les gens pensent voilà, que moi-même je suis un arabe? Alors, parmi ces choses qui m'ont aidé, tout simplement, déjà la première des choses, c'est que je suis parti en Égypte et que j'ai étudié l'arabe. Ça, c'est la base des bases. Parce que, on va dire que l'école, les merkez, c'est pas ce qui va, donner le meilleur des niveaux, mais ça va vous mettre le pied à l'étrier, le fait d'étudier dans un merkez et comme je l'avais dit, le fait d'être en immersion. Mais je pense que la chose la plus importante qui m'a aidé dans toute ma vie, c'est les voyages. Le fait de voyager au Yémen et voilà, quand j'étais au Yémen, souvent je prenais le bus du Yémen, j'allais jusqu'à Dubaï.
Ça veut dire que du Yémen à Dubaï, j'étais tout seul dans le bus pendant 48 heures, que avec des Arabes. Et ça veut dire que j'avais pas le choix et je parlais avec eux qu'en arabe. Ensuite, voilà, lorsque j'étais en Égypte, j'étais tout seul. Lorsque j'étais au Koweït également, tout seul, qu'avec des Arabes. Quand j'étais au Qatar, également la même chose. Et je pense que j'ai plus appris en parlant avec les Arabes qu'à l'école. À l'école, j'ai appris des choses qui sont vraiment théoriques. Mais voilà, en étant avec les Arabes, surtout aussi également en écoutant les cours des savants, en suivant également les infos en arabe et en suivant énormément de youtubeurs en arabe, ça m'a vraiment aidé à augmenter mon niveau parce que j'écoute et après j'essaie de mettre en application. Et puis avec mes amis sur WhatsApp, on a des jeux comme ça. Parfois on joue, on parle en arabe et on essaie d'imiter les lahjas de certains arabes. On essaie d'imiter les patois ou les dialectes de certains arabes. Et donc ça nous entraîne. Et puis voilà, donc au fil du temps, ça m'a aidé à vraiment bien prononcer la langue arabe. Et je connais des frères qui ont des niveaux qui sont beaucoup mieux que les miens. Je connais des frères, et quand on les entend parler, on a l'impression qu'ils sont même nés arabophones, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment pas impossible de devenir arabophone comme un arabe, mais voilà, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais avec du temps, de l'investissement, et bien sûr la chose primordiale, placer sa confiance en Allah Azzawajal, cela est possible. فمن ذا الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية وينطقها كما ينبغي فعليه بذلك نسأل الله عز وجل أن يعينكم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.